Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vas-tu? Ça va, un peu bouleversé, mais ça va. Par quoi? Mais le message était vraiment poignant, enfin très, très. Enfin, on a vraiment senti une chaleur. C'était vraiment parlant et du coup, ça pose des questions. Enfin, on se remet en question. Qu'est-ce que tu as appris ce soir? Donc, j'ai vraiment appris, j'ai vraiment compris le sacrifice qu'a fait Jésus pour tous ses enfants, pour moi, et j'ai comme si on ressentait vraiment la douleur, tout ce qu'il avait pris, toute la misère, toutes les maladies, tout ce qu'il a pris sur lui, alors qu'il était vraiment pur et tout ce qu'il a fait pour nous sauver. C'est vraiment beau. Amen. Et qu'est-ce que tu en retiens, toi, pour avancer maintenant dans ta marche? Parce que, d'après ce que j'ai compris, tu es quelqu'un qui a rencontré le Seigneur il y a peu de temps. Oui. Et qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui pour avancer maintenant? Bon, c'est vrai que moi j'apprends beaucoup, ça fait que depuis 1 an et demi que je suis en Christ. Oui, c'est Et déjà bien. ouais. Bon, du coup j'apprends. Et mais c'est vrai que peut-être plus relativiser quand il nous arrive quelque chose ou quand on doit faire enfin quand on doit traverser un désert ou vraiment s'appuyer sur lui et qui puisse nous alléger parce que on peut prendre conscience que lui, il a fait beaucoup pour nous. Amen. En fait, le Seigneur a déjà tout porté à la croix. Voilà. Et donc, ben oui, c'est censé effectivement nous alléger quand on passe par des combats. Amen. Et quelles sont les conséquences que de la croix que tu as pu expérimenter aussi déjà jusqu'à présent? Parce qu'il y a peut-être des choses qui ont été annoncées pendant l'enseignement que tu avais déjà vécues ou compris ou expérimenté quelque part. Le pardon, Amen. ça, c'est sur ça qu'il a que tout de suite il m'a façonné enfin au niveau du pardon au niveau dans ma famille. Et après, vu que ma famille est athée, je suis pas mal persécutée. Enfin, ils comprennent pas pourquoi. Donc, je suis tout le temps en train de j'essaye vraiment de me montrer le mieux possible en fait pour que eux ils acceptent aussi Jésus dans leur vie. Amen. Amen. Ça, c'est un grand combat que beaucoup d'entre nous doivent mener. Amen. Entendu. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager, rajouter par rapport à ta rencontre avec le Seigneur, par exemple? Je l'en remercie, je me sens vivante, je me sens aimée Amen. et vraiment il m'a libérée de beaucoup de que je pensais pas en fait pouvoir être libérée. Et vraiment, il me fait avancer plus sereinement. Enfin, je vois vraiment un avenir et je me sens. Je sais que je suis ici pour quelque chose et ça, je l'en remercie énormément. Il a donné du sens À ma vie, à ouais. ta vie. Amen. C'est beau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Bien écoute, si tu n'as rien d'autre à Non. rajouter, je prendrai une autre personne qui va venir nous parler donc de ce thème de ce soir. Ben Merci beaucoup merci, pour ton merci. intervention. Au revoir. Au revoir.